Bonjour à tous, on se retrouve pour démarrer une nouvelle série sur Cities Skylines. Alors pourquoi Cities Skylines maintenant? Parce que déjà j'ai envie. Ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de série sur la chaîne. J'hésitais, là j'avais envie de rejoindre un City Builder. Et j'hésitais entre Cities Skylines et Transport Fever 2. J'avais très envie de jouer à Transport Fever 2, mais je vous avoue que j'ai trouvé une map là qui va nous permettre d'allier l'un et l'autre, disons. J'ai toujours ma souris qui galère, je n'arrive plus à bidouiller la roulette. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Vous allez voir, on va se placer ici. Voilà, regardez un peu le potentiel de cette map. Donc on a des îles partout en fait. Et ça nous permet de jouer avec... Il y a des trucs magnifiques là, regardez cette cascade là. Hop, je galère en fait, je suis en train de faire avec, voilà, avec le clavier. Donc voilà, il y a des îles un peu partout. On va pouvoir se permettre de faire du comment dire. Tu veux bien là, non? Et galère à mort, c'est impressionnant. Faut que je bourrine la molette. Je vais arriver à finir ma phrase. On va pouvoir faire, admettons, bon cette île là, elle a déjà l'autoroute qui passe, mais prenons celle-ci par exemple. Une île entre guillemets, l'Australie quoi. Aucun transport routier, on fait pas de pont, rien, parce que c'est, on n'a pas envie tout simplement. Là, est-ce qu'on a une plus éloignée? Ah, une bande de terre ici. Non, là c'est connecté par la route, bref, vous avez compris l'idée. On la connecte pas par la route, ou celle-ci. Et on fait, je sais pas, du bateau, de l'avion, ou je sais plus quel autre moyen de transport il y a. Alors, de base, le jeu nous fait commencer ici, là. Sauf qu'en fait, ça m'arrange pas des masses. Alors c'est bien parce que c'est central, mais j'aimerais qu'ici ce soit la ville principale, enfin la plus grosse ville de la map, disons qu'elle serait ici, parce qu'on va pas avoir des villes immenses si on regarde bien. Peut-être ici où il y a le plus de place, mais encore, je suis même pas certain. Ici, j'imagine quelque chose comme des petits villages à droite à gauche. Là peut-être une ville un peu plus grosse, mais pas non plus avec des buildings de partout. Ouais, donc si on revient ici là, ici j'aimerais avoir la grande ville, la ville high-tech, la ville avec du tourisme, etc. Peut-être faire une sœur jumelle ici. Pas certain. Ah, tu bugs à l'affichage. Mais bon bref, tout ça pour vous dire que si je veux faire ça, il va falloir passer par ici et venir peut-être commencer ailleurs. Tabé ici, ça pourrait être bien. En plus, on a du train. Ça pourrait être pas mal. Ouais, bon, là non. Ici, pourquoi pas. Mais ça veut dire prendre une deuxième. Non, on va prendre cette case. Ouais, on va l'acheter de suite. Voilà. Et on va donc commencer alors. On a... Oh putain, c'est beau ça. J'avais pas fait gaffe. Oula. C'est beau, mais c'est moyen réaliste de ce côté. Faudrait que tu montes un petit peu plus. On va le bouger de suite ça. Voilà. Un petit ajustement pour être sûr d'être bon. Après le reste me paraît comme moi, me paraît bien même. Me paraît très très bien. Elle peut toujours pas. C'est ultra relou le clic molette qui ne fonctionne plus. Bon allez, bref, peu importe. Voilà ce que je voulais faire. Ok, donc falloir déjà démarrer. Alors attends, je suis en train de regarder. On va se mettre. Ouais. On commence où serait le centre de la première île. Je vais faire des villes interdépendantes. Mais du coup le centre de celle-ci serait serait quelque part par là, peut-être. Parce qu'ici après on a des minces. Du relief, ouais disons par là. Je prends une touche au relief qui est fait de base. C'est une carte que j'ai téléchargée. Qui s'appelle d'ailleurs Seven Islands. Donc ouais, ça veut dire retoucher ici. Alors on va commencer comme ceci. Le truc c'est que le train passe de ce côté. On va le retoucher peut-être hein, à ce niveau-là. Ouais.
faut bien commencer un moment. Hop. Je vais essayer de rajuster les autoroutes ensuite. Ok, alors on va. J'espère que ça va pas me coûter trop cher parce que j'ai pas beaucoup d'argent au début. Ouais, ni quoi en mettre celui-ci, il est à combien? 16 000, ça va. Si je te dis de te connecter là, tu me mets du snapping. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est ça. Penton incliné. Contrôle A, ça active l'anarchie, voilà. Oui, comme ça, c'est très bien. Très très bien. Et on peut faire passer le train. Bon, on le fait passer en dessous, sinon. Ouais. Faisons ça comme ça. On va de suite reconnecter le train. Ça va me coûter cher, ça. Ah, construire une gare ferroviaire. Faut que je la paye. 45 000, mais je vais être remboursé. Et hey, le long de la route, forcément. Voilà. Maintenant, on détruit ça. Est-ce qu'on est bon? Yes. Enlève-moi ça, là. Voilà. Ok, et donc maintenant, on va récupérer les rails ici. Voilà, retravailler ça vite fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Tu me le mets là. Je sais pas pourquoi j'avais l'habitude de l'avoir là. Certainement d'autres parties. Tu vas me faire un tunnel. Voilà. Alors, attends. On est où là? On est à combien? On est en surface du sol, hein. Ouais, donc il faut descendre. On va descendre, ouais, 9 mètres, ça ira bien. On va se le faire par là. Tu peux pas me le... Là, c'est pas mal. Ok. Ensuite, on revient en normal. Et en normal, on va remonter. Reviens à zéro, s'il te plaît. Merci. Et on va se connecter directement d'ici. Est-ce que je l'ai là? Non. À combien tu descends? Ok. Mais impeccable, ça. Ça me donne quoi? Peut-être régaliser ici, mais ça me paraît bien ça. Du coup, on fait la même chose là. Alors attends. Ouais, faudrait que tu te détaches de l'autoroute plutôt. Tu peux garder ça si tu veux. Voilà, on garde à peu près une courbe. On est d'accord que là, ouais, c'est ça le point de... Mais c'est très bien comme ça. Et donc maintenant, on descend. On se met droit et on revient là. Ça nous donne quoi ça? Ça nous donne quelque chose de bien. Alors attends, on va reconnecter les autoroutes là parce que ça me paraît très bizarre comme ça. Oui, autoroute, c'est deux. Alors attends, on remonte. Trois voies, ok. Celle-ci, ouais. Le truc c'est qu'il me la met en anglais, donc je sais pas si c'est un ajout ou si c'est celui de base. Alors on a trois voies. Non, quatre voies. Ouais, non, c'est celle-ci. Attends, j'ai enlevé ça là, mais je vais tout laisser. Ah oui, non, ça c'est les courbes de niveau, d'accord. Et ici, est-ce que ça donne quelque chose de propre? Ouais, ça, oui, si, ça va. On pourrait décaler un peu ce point, mais bon. On va dire que c'est bien. Après, à terme, on va le refaire celui-ci là, c'est vraiment pour le début. Ça, ça va pas me plaire par contre. Viens jusque
D'accord, non. Enlève le snapping. Ouais, mieux. On va toucher ça avec Move-It. Ça ira très bien. Alors toi, tu peux te décaler un petit peu, voilà. Toi, finalement. Ah, il y a 2 points, d'accord. Je crois que c'est dans le long point. Voilà. Et là, ça suffit. Visuellement, c'est pas mal. On retrouve la même chose à peu près. Ok, on va pouvoir démarrer notre ville. Enfin, au bout de 10 minutes d'épisode. Minutes de vidéo. Donc. Ah, cette souris, voilà, merci. Donc je disais le centre du village ici. Ce qu'on va faire, c'est que donc là on a la sortie d'autoroute. On va se faire un petit rond-point déjà. Qu'on va placer. Ouais, non, le village en fait va se placer comme ça. Là. Et puis on aura le rond-point central qui distribuera sur toutes les routes de la ville. Donc du coup. On va faire ça comme ça. Bref, peu importe, c'est pour faire un rond-point. On va pour l'instant mettre juste 3 fonds. Ouais, 3 voies, c'est largement. Non, le rond-point. Ah, je l'ai dessous, c'est pour ça que je mettais pas ça là. Reviens là, toi. Oh non. Je peux plus bouger, lui? Je vais le faire à la main le rond-point sinon. T'es sérieux? Je peux pas te bouger. Ah, d'accord. Ouais, tu sais quoi? Bon, viens ici là. Cache-moi rien du tout. Viens là. Tiens, cache-moi lui. C'est très très bien de me cacher lui. Hop, voilà. Et donc du coup, on va venir ici faire un rond-point. Plus et moins pour le radius, ok. Enfin, rond-point, c'est gros, je pense. Voilà. Impeccable. Impeccable, impeccable. Et on va upgrader ça avec de la 3 voies. Mais le truc c'est que j'ai pas envie qu'ils se garent et j'ai pas envie de leur dire de pas se garer, donc on va mettre tant pis de l'autoroute. Voilà, on a peut-être une route nationale. Je sais que c'est ça. Autoroute à double sens. Un truc asymétrique. J'avais. Ou alors c'est là-dedans. J'avais une route nationale tout simplement, qui permettait de ne pas avoir de quadrillage autour. Ça c'est quoi? Ouais. Ah, nationale. Ah, mais c'est de la 2 voies. D'accord, c'est de la 2 voies double sens. Bon, mais c'est pas grave, prends ça. On limitera la. Ouais, vous voyez, ça fait sauter le quadrillage autour. On va simplement venir ici faire ça. Tac. Voilà, histoire d'avoir un rond-point qui ne bouge pas quand on fera les jonctions. Donc, bon, on arrive avec de la 3 voies, restons sur de la 3 voies. Tac. Voilà. Et ici, on va diviser. Ouais, si je fais ça. Ça reste propre, ça. La sauvegarde. Ouais. À moitié propre. Ça, c'est bon. C'est bougeable avec Move-It. Je te trouve un poil. J'aimerais plus que tu sois à l'inverse, la courbe. Voilà. Beaucoup mieux ça. Et toi, pareil. Ah là, j'ai 2 points, là, j'en ai qu'un. D'accord. Donc, si je fais ça, elle est beaucoup mieux avec un seul point. Ok. Super. Alors, on va inverser.
Ça, voilà. En plus, il me met les panneaux. Bah, parfait, ça. Ça fait vraiment rond-point, du coup, avec les panneaux. Impeccable. Donc, entrée-sortie, très bien. Du coup, ce serait l'occasion de mettre ma National Road. Et non, parce que j'ai pas de quadrillage dessus. D'accord, alors, comment je vais jouer là-dessus? Sachant qu'il y aura les industries à mettre au début. Peut-être on met les industries ici, ça me paraît mieux. On pompe l'eau ici, on la déverse là. Et on met les industries dans ce coin. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Alors on va simplement... On va faire une route toute simple au début. Ouais, peut-être celle-ci. Ouais, disons celle-ci pour arriver par là sur la zone industrielle. J'ai pas envie de péter le décor. Du coup, disons qu'on arrive par là. Ça fait quoi ça? Ça fait quelque chose de propre. Ouais, parfait. Ça me pète pas le quadrillage. Enfin, le quadrillage, le relief, pardon. Ensuite, on va aller chercher les routes à sens unique. Voilà. Ouais. Impeccable ça. Ok. Ok. Tac, 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 on arrive ici. C'était laquelle? C'était celle-ci, voilà. Là, pour en faire l'industrie basique, je pense. Où je viens la caler là. Disons. Ouais, disons qu'on va contourner et on aura de l'industrie ici. Même si c'est vrai qu'on a des plages de sable blanc, mais bon, on en a un peu partout sur la map. Donc, tu vas commencer en arrivant par là. Toi. Après, on pourrait mettre de l'industrie forestière, ça gênerait pas niveau pollution. Toi, tu arrives par là. Faut que je le surveille, mon argent, quand même. Tac. Et de toute façon, on divisera un peu la zone à gauche, là, mais pour l'instant, disons qu'on reste par là. Ouais. Et on se remet droit. Ouais, je finis ça comme ça. On va faire des petites routes rurales pour tout ce qui est industrie forestière. Tu viens là. Allez, on va dire que c'est bon. On va en faire, disons. Ouais, là on s'arrête. Ici j'ai la place d'en mettre. On va juste faire ce coin là au début, il n'y a pas une demande folle en industrie. Je sais pas si au niveau du vent. Je sais pas si au niveau du vent on va avoir quelque chose, histoire de pouvoir jouer avec les éoliennes. Et éviter de polluer. Ce serait bien. Ouais, ça me paraît pas mal ça. Ça me paraît pas mal, ok. Maintenant. Attends, c'est du 2 voies. Ouais, c'est pas plus mal, mais si ça bouchonne un peu là. Ensuite, ça divise en 2, puis en 3, et chacun va où il veut, c'est très bien ça. Et les camions, ah si, ils passent par là. En arrivant. Ah bah après, en ressortant, ils repassent pas par la ville. Ça, c'est bien. Ok, alors. Ensuite, on va se faire. Putain, sont immenses ces routes. J'ai pas un compromis? Si. 2 fois 2 voies, très bien. Très bien, très bien. Du coup, on va venir ici. Donc on aura le village par là. Une autre partie du village par là. Les industries ici. Peut-être qu'on étendra ici. Donc l'avenue principale va se trouver environ par là.
On va faire d'abord la première partie du village, ou de la ville, la petite ville, disons. Et ensuite, on viendra de ce côté faire le reste. Ok. Donc, ensuite, on va jouer. Alors, attends, c'est du 2x2 voix. Hein. Ouais, donc on peut mettre. Du 2 voix ici. Est-ce que tu peux me faire la même chose? C'est pas mal ça. Je décale encore un petit peu. Impeccable. Voilà. Je fais ça pour éviter les embouteillages parce que si on arrive ici, sur quelque chose de droit comme ça là, ça décale les uns, ça fait trop d'embouteillages. Donc ça, je sais que ça fonctionne. Une espèce de fronde là en V. Ok, alors ça c'est notre avenue principale. Ensuite, il faudrait qu'elle aille se terminer par. Pourquoi pourrait se terminer notre avenue principale? Du 2x2 voies avec. Bon, on va mettre des routes simples au début. Je pense qu'on va faire quelque chose de droit. Au moins là, juste pour l'arrivée. Je fais combien? 10. Voilà. Ok. Est-ce que j'hésite entre cette route en fait et celle-ci que j'aime beaucoup. Disons qu'on fait la première structure des quartiers avec celle-ci et puis on fera avec la petite route plus tard. Enfin à l'intérieur. Les commerces, on va en mettre quelques-uns à droite à gauche, j'ai pas envie de faire une grosse zone commerciale. Peut-être ils seront sur cette avenue là d'ailleurs. Ouais, donc du coup. Du coup, on va partir comme ça. Et là, tu peux poursuivre droit, on fera les quartiers intérieurs. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir faire mes petits quartiers. Donc là, j'ai ma zone commerciale. Disons qu'on commence le quartier par là. Un premier quartier ici. Alors attends. Original que un peu plus organique, j'ai envie de dire, que ce que je nous propose avec ces grilles. Par exemple, un premier quartier là, on fait la même chose à peu près, enfin la même chose, la même idée. De ce côté, disons que par là on peut partir droit ici, ensuite courber. Après il y a le train ici, donc on va pas non plus falloir mettre trop de monde, ils vont pas apprécier. Et toi d'ailleurs, tu pourrais finir par là. Ok. Ouais, donc ça fait quelques habitations. Je crois que je vais commencer à zoner. Et puis on fera la suite au fur et à mesure. Et donc les commerces vont se trouver ici. Alors, les commerces. J'avais dit que je voulais pas une grosse zone commerciale. On peut faire une petite zone commerciale par contre. Quelque chose avec celle-ci, ouais. Une petite zone de commerce par là. Avec quelques parkings. Ah, ça sauvegarde, ok. Avec quelques parkings. Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien cette route avec la voie centrale qui permet de changer de voie. Est-ce que je les ai? Ouais. C'est un gros parking ça, on prend plus petit. On va s'en faire un ici, la même chose en face. Je fais combien? 10, comme souvent. Je m'arrête au trait, on fait la même chose ici. Tac, voilà, on vient chercher les places de parking. Est-ce
que ça passe ça en longueur? Ah, pas mal. Donc 10 de longueur, allez, même 8 en fait. 8 de longueur, ça nous fait un truc propre, d'accord. Tac, voilà. On fera tout ce qui est déco, etc. plus tard. Je vais un peu décaler celui-ci, mais bon. Non, voilà, si. Ah, c'est que c'est pas extrêmement droit. Bon, c'est pas dramatique. Franchement, ça se voit quasiment pas. Ouais. Ok, donc ici, on va mettre du commercial. Et d'ailleurs, attends. Ce qu'on va faire, c'est mettre des petites routes. Pour pouvoir. Tu me les supprimes pas, ben parfait ça. On va se faire la petite zone commerciale. Avec ici, tac, tac, et on poursuit. Voilà, on va se faire des petits commerces. Mince. Je fais combien? 10 encore, c'est ça? Je fais tout le temps 10. Eh ben, t'as galéré à y aller. Tac, et pareil. Voilà. Avec donc les parkings pour, voilà, pour se garer. Et éviter d'avoir des mecs garés partout, n'importe où. Donc ça, on a dit que c'était du commercial. Ah, Spidel, ça. Bon, c'est pas dramatique non plus, mais Spidel. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pourrais en mettre. Alors, on va les dessiner plutôt. Pour en mettre ici. Tac. Alors, attends, non. Pas ici. Parce qu'on va faire un chemin ici, piéton. Et j'ai pas envie que ça me pète des bâtiments. Oui, pourquoi pas. Et ici, on va faire pareil. Voilà. Et. Ah oui, non, là je mets rien. Pourquoi pas ici? Ouais, allez, vas-y. Attends. Fais-moi 4. Un petit espace. Et toi, t'es plus petit à côté. On va faire l'inverse ici. 3. 4. 1, 2, 1, 2, oui. 4. Ouais, mieux. Ok, notre petite zone commerciale. Ici, on va faire un quartier. On va pas mettre de la. De l'industrie DLC, on va mettre. Alors attends, du coup, bah lui, ça va être. On va faire l'industrie forestière, pourquoi pas. Allez. Tout ça, ce sera notre industrie forestière. Je zone en gros, hein, pour l'instant. On verra comment on arrange ça plus tard en fonction des besoins et de l'évolution de la ville. Hop, voilà. Ok, donc. Spécialisation industrielle, c'est la spécialisation forestière, je suis dessus. Voilà. Alors tu vas pas t'appeler Square Plaisant. Tu vas t'appeler. J'ai aucune idée. La foresterie, pourquoi pas. Ok, style par défaut, s'en fiche. C'est de l'industrie. Donc ici on va mettre nos industries. Parfait. Pour l'instant ça reste là-dessus. Et ensuite, alors attends, on va placer service, parc, etc. Alors éducation, on va mettre une école primaire évidemment. Qu'on pourrait, alors attends, qu'on pourrait. On va te faire ici quelque chose comme ça on va pouvoir faire des petits chemins piétons. D'accord, c'est quoi le. Eh ben, je vais m'arrêter là, à ce niveau-là. Tu me l'as fait un moment. Bon, mais arrête-toi là, c'est pas dramatique. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire des petits chemins piétons là pour que les gens puissent y aller à pied.
L'école primaire, pourquoi pas. Ici, donc, chemin piéton. Chemin piéton, ouais. Ok. La même chose de l'autre côté. Parfait. Parfait, parfait. Donc ça relie les deux quartiers très bien. Très très bien. Est-ce qu'on a besoin de pistes cyclables? Je suis pas certain. On pourrait faire la même, peut-être. Je vais rebouger les nœuds là pour que ça fasse un truc propre. Mince. Voilà, mieux. Et donc. Voilà, on va rebouger les nœuds ici pour avoir un truc fini. Ça se superpose un peu, mais c'est pas dramatique. Et il a le nœud, d'accord. Voilà, et toi encore un peu, et toi aussi. Et tant pis, un petit bout ou pas? Non, voilà. Ok, l'école c'est bon. Ensuite, il vous faut des pompes, une police. Police qu'on va mettre. Est-ce que je peux la mettre là? Ah non. Je peux la mettre ici. Et pourquoi pas dire que finalement. Ouais, on va mettre une petite route au milieu. On va mettre les pompiers entre. Et comme ça, ils auront accès. Bon, non, même pas. Je vais dire, je fais une route, je voulais faire ça en fait. Je vais mettre une petite route là, comme ça ils peuvent traverser directement, mais comme ça va être une petite route, ils vont préférer prendre celle-ci, à mon avis. Donc on va faire ça comme ça. Une petite clinique qu'on met. Bon, pourquoi pas ici, on met ça sur les, on met les services sur la rue principale. Ah, par contre, ça va polluer. Et j'ai pas de moyen de ne pas le faire polluer, ça. Bon, alors. Déjà, ça m'énerve. Pardon. Est-ce que tu peux me le dégager? Voilà, enlève-moi ça. Est-ce que je le mets dans le coin par là? Ouais, on va faire une petite route exprès. Tac. Il y a une route normalement. Non, voilà. Les déchets donc ici, tac, voilà. Et ben voilà, ils vont plus. Ah non, attends, j'allais dire, il va plus manquer que l'eau et l'électricité. On va commencer à placer quand même quelques parcs. Alors je sais que les parcs, ça fait augmenter le niveau des industries aussi, mais je vois pas l'intérêt de mettre des parcs pour les industries. À la limite, peut-être, c'est quoi, pique-nique, petit parc, parc arboré. Grand terrain de jeu, elle est où la truc de pique-nique? Parc pour chien. Alors, petit parc. Petit terrain de jeu. Parc arboré. C'est ici, je crois. Place avec tableau pour pique-nique. Ouais. Je trouve pas ça ouf, mais. Ouais, du coup, quitte à en mettre une, autant la placer de manière à ce qu'elle irradie un max. Pourquoi pas, je vous mets ça ici. Petite place arborée. Est-ce qu'il y a moyen pareil de me virer ça? Ah ouais, ça c'est bien. La petite. Alors attends, il y avait un truc qu'on peut mettre à côté de. Voilà, à côté de l'école. C'est le grand terrain de jeu qui va pas passer ici. Qui passerait là. Alors attends, est-ce que c'est. Ouais, c'est choquant. Alors on va utiliser Move-It. Décaler un petit peu. Il manque pas grand chose. Ah, mais ça passe large en fait. Je peux le mettre ici, carrément. Voilà. Est-ce que je peux te décaler? Ouais, super. Ah, il y a cet arbre là qui va passer. Qui va passer au-dessus. Est-ce que je peux le dégager tout seul? Non. Ah, c'est bête. Pour un arbre. Parce que là. Ah non, quoique j'ai la marge là. Je peux te refaire revenir un petit peu. Pas mettre autre chose, j'ai l'impression qu'il régénère les armes à chaque fois que je me déplace.
Ou alors je me rapproche ici. Ah, je peux faire ça, oui. J'ai peur qu'il me pète le truc de vélo. Non, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous mettre comme place? Un petit parc petit, façon de parler. Une petite place arbore. Elle est immense, cette place. C'est assez dingue. Voilà, puis ça ira bien, je pense, pour notre petit village qui va grossir, mais pour l'instant, disons qu'on s'en contente. Terrain de tennis, terrain de basket, pas forcément. Non. Du coup, alors attends, on va zoner ça, donc comme ça on pourra lancer la simulation. Mais non, même pas, il faut que je mette l'eau. Je dis des bêtises. Alors attends, avec les petits carrés, il vaut mieux faire ça. Dis-je, et je me trompe juste après. J'ai pas mis de musique, parce que je les ai trop entendus, parce que une fois sur deux, on me dit l'auteur de la musique a fait une réclamation et s'autorise à mettre des pubs sur votre vidéo et en tirer des revenus. Alors que bah c'est musique libre de droit, hein, elle est dans un jeu, quoi. Pas enfin, libre de droit. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, on va très vite agrandir encore le quartier. Voilà, donc il nous manque juste. Alors je voulais voir, est-ce qu'on a du vent? Ah, on a du vent. Bah, ici, ça me paraît totalement approprié. On va en mettre. C'est pas énorme, 8 kWh. Attends. Mégawatt-heure? On est toujours à 8 là. Alors on est à 7, d'accord. Disons qu'on fait ça comme ça. J'en mets 3. On est à 32 là. 32 pas du tout, on est à 28. 24, waouh. Bah vas-y ici. 32, ça me paraît être un début correct. Alors, on va utiliser un petit mode là qui est cool, c'est celui-ci. Power relais, qui permet d'acheminer l'électricité discrètement. Ah putain. Voilà. Et ici aussi d'ailleurs. Impec. Ensuite, il va falloir l'emmener ici, l'électricité. On va passer par là. Va continuer le long de la route. Le seul inconvénient de ce mode, c'est qu'ils sont tellement petits qu'on les oublie. Des fois, on les détruit sans faire exprès. Parce que si je me mets là, ça passe. Yes! Et du coup, un petit dernier par là. Impeccable. J'ai zoné ici? Ouais, donc ça va se faire tout seul. De l'eau. De l'eau, de l'eau. 720 d'entretien, parce qu'au début on est... Ouais ou non, ça coûte beaucoup moins cher. Ouais, t'as 160, ouais. Bon, 60 pour l'instant, ce sera amplement suffisant. Alors attends, on va d'abord détruire ça, parce que le château d'eau, j'aime bien le mettre. Alors logiquement, ça se met en hauteur, hein, évidemment. Pour qu'ensuite les vannes s'ouvrent et que l'eau descende vers les canalisations. Mais esthétiquement, j'aime bien le mettre sur les ronds-points, au milieu des ronds-points. Voilà, ici on pompe l'eau et on la déverse. On la déverse ici. Voilà. Je vais vous passer, parce que les pièces commencent à être longues, je vais vous passer la canalisation des choses et puis on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve après la pause des canalisations. Il y a une chose que j'ai oubliée, c'est ici. C'est le cimetière. Le cimetière, je pense qu'on va le mettre ici. Pour l'instant. Ou alors, tiens, on va lui faire une petite rue. Ou je pourrais. Attends, je vais prolonger celle-ci d'abord. Alors, je sais, j'ai enlevé la musique. Il y a peu de son à part ma voix et les sons du jeu. Non, je peux pas prolonger parce qu'on arrive là. Non, c'est une bêtise. On va lui faire un truc comme ça. Voilà. Enfin, voilà.
fais combien à gauche? Je fais 4, ok. Voilà. Mais voilà, je disais, il n'y a plus de son de jeu, mais dès que les gens vont venir habiter, il y aura du bruit dans la ville. Tu peux pas me le mettre là? Ah, tu es obligé de me le décaler, franchement. Bon, allez, fait. Ok, je pense qu'on est bon pour lancer la simu. Ouais, ça me paraît pas mal ça. Je viens de mettre un coup dans le micro, je suis désolé. Ça y est, les premières personnes arrivent. Ah, il y en a qui font demi-tour ici. Pour... Alors attends, ouais. Pour changer de voie sur l'autoroute, c'est pas du tout l'idée. Ce qu'on va faire, c'est ici faire... Attends, mais j'ai l'impression d'avoir enlevé... Attends, excusez-moi. Ouais, j'ai quelques modes. Gameplay audio. Volume ambiant. Ouais, je pourrais. Non, ou en fait, je garde ça. Attends. Interface utilisateur. Ça, on va le monter. Je vais monter un petit peu ici. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a zéro bruit de voiture, etc. Ah, ça y est. Il est mouette, tout va bien. Alors, on va jouer ici. Avec les vitesses déjà. Ici, c'est du 60. Voilà. 40, 50, c'est bon. Ici, on est à 40, après 60, oui, si tu veux. Très bien. Ensuite, les priorités. Ici, il n'y a pas besoin. Non, c'est ici qui... attends, ici. Lequel est lequel? Il bouge les deux en même temps. Ouais, à mon avis, c'est lui qui est à droite et lui qui est à gauche, ouais, c'est ça. Ici. Alors attends. Ici, il n'y a pas besoin. Ici. Tu me mets une priorité, s'il te plaît. Ici, pareil. Voilà. Ici. Céder le passage. Céder le passage. C'est le passage. Quoi, t'es pas connecté à l'eau? Attends, pause. Qu'est-ce que j'ai pas connecté? Je me suis trompé. C'est bon, j'ai compris. Je pompe, mais je ne reverse rien dans. Voilà, c'est ça qu'il fallait. On va vérifier qu'il est connecté. Il est connecté, ok. Très bien. Allez, on va accélérer un petit peu. Ah, qu'est-ce que c'est pénible de pas avoir la molette. Ça se voit un peu qu'il est décalé. Enfin, ça se voit quand je passe la souris dessus. Ouais. J'aime bien cette zone commerciale. Alors, je voulais faire aussi... des chemins piétons. Pour que les gens qui n'ont pas envie de prendre la voiture puissent venir... à pied au commerce. Voilà. On pourrait faire... Alors attends, fais-moi ça comme ça. On va perdre de l'argent au début, c'est normal. C'est le temps que tout se mette en place. Donc on tourne les maisons. Que je veux. Ah non, mais il faut d'abord avancer en fait. Voilà, et maintenant on tourne. Voilà. Donc tout ça, c'est du chemin piéton de terre. Attends, ça va beaucoup trop vite ça. Voilà, et tu me remets s'il te plaît la matinée. C'est très... Ah ouais, je vais baisser l'intensité de la lumière un petit peu. Voilà.
J'étais où moi? J'étais là. T'as parfait, le parc. Tu m'as fait un truc là? Tu m'as fait un truc là. On voit pas avec l'ombre, mais il y a un chemin ici. Là on peut faire quelque chose de droit. Oula. Galéré. Ok. Très bien. Et on a déjà rempli, j'ai l'impression, tout l'espace nécessaire, enfin disponible. Non, il y a encore un petit bout ici, un petit bout par là. Là, ils auraient pu faire une plus grande maison s'ils avaient été plus malins. Il y a un petit bout ici. Alors, on est à 3000. L'industrie, t'as besoin d'industrie, mais... Elle est là, l'industrie, elle arrive. Ouais. La Syrie, bah oui. Entreprise des amis de la forêt. Entreprise, pardon. C'est encore les amis de la forêt. Plus belle des planches. Excellent. Entreprise de bois. Immeuble de qualité. Donc voilà, ça a généré quelques camions ici. Rien de fou. Je peux vous faire, si vous voulez les gars, je vous fais une petite zone pédestre. Mais je vous la mets où? Je peux vous la mettre par là, si vous voulez. Ah, c'est pas ce que je voulais. Alors attends. Forme invalide. Tu m'étonnes. Moi, si tu veux. Ça me dérange pas. Ah, c'est pénible ça. Voilà. Ça me cabosse un peu le truc, mais c'est pas non plus dingue. Et tiens, on peut même en mettre là de l'industrie. Je sais pas s'il va y arriver, mais dans le doute. Ok, donc voilà, les camions, ils passent pas des masses. Niveau de la ville, ici ça circule. Comment ça les poubelles? Les poubelles. Ah d'accord, en fait c'est loin. Ah mais il a pas d'énergie. Il a pas d'énergie. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu me dis, t'as pas d'énergie? Assez d'électricité. C'est le vent qui... Mais non, mais on est bien sur l'électricité, on a la marche quand même. Ça me paraît bizarre tout ça. C'est vraiment très bizarre. Pourquoi je peux pas le transférer? Je sais pas. Le bâtiment n'est pas vide. Oh, t'es sérieux? Je peux rien en faire. Bon, alors attends. Je te mets un câble directement. T'es content? Ok, c'est bon. Bon, c'est ce mode qui devait peut-être un peu bugger, mais en tout cas, ça n'a pas gêné ici pour l'électricité. Alors attends, juste... Ouais, non, ça a l'air assez rapide les routes. Ok, donc ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool, et du coup, bah, je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait déjà 50 minutes d'épisode, enfin non, un peu moins parce que j'ai fait une coupure, mais elle était pas énorme non plus. On va venir ici, et on va venir admirer un petit peu, avant de se laisser. Oh, pardon. Un petit peu moins. Juste, voilà. Impeccable. Impeccable. La rue principale avec ici. L'école, si on tourne à gauche, on a accès au petit parc de jeux pour les enfants. On a aussi
Donc là, c'est la police, c'est écrit dessus, et oui. Ici, et les pompiers. J'avais jamais trop regardé ces bâtiments de près. Et ici, la clinique médicale. Et donc, alors attends, on va se mettre en vitesse 1, voilà, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Et ici, on se retrouve en bout avec le cimetière. Putain, le mur est vraiment près de la route, t'as pas intérêt à mettre un pied à côté. Ah, ils ont même fait le son du clocher. Excellent. Ok, donc, attends. C'est quoi? Ah non, c'est le pont, ça. J'ai dit, alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? J'ai pas été voir. Ici, notre zone commerciale, est-ce qu'il... Ah, c'est emprunté, ça, c'est génial. J'adore ça. C'est pour ça que j'avais envie de me remettre à Transport Fever, mais il y a quand même moyen de s'amuser sur City Skylines avec les transports. Et, ouais, il y a peut-être des trucs à faire, là, niveau... niveau map painting. Est-ce que vous... Ah oui, j'ai... Voilà, parfait, génial. Est-ce que vous utilisez les parkings? Mais oui. Mais oui, mais oui. Et donc ensuite, si on se dirige de ce côté, on retrouve notre industrie forestière. Putain, la police, hein. Il y a eu des vols de planches. Ça va être la plus belle des planches, c'est sûr. Bon, c'est pas très fréquenté ici. Et donc toi, tu vas où? Ah, mais t'as le camion poubelle, toi. Eh oui. Toi, tu viens à la déchetterie. Enfin, station de recyclage, station ou usine de recyclage, je sais plus comment on l'appelle exactement. T'as juste fait un petit tour, ok. Très bien, bon, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je me cherche une petite miniature. Oula, t'es sûr de toi, là? Ah, là, ça me paraît pas mal, ça. Avec la cascade en fond. Les petites éoliennes, voilà. C'est parfait, faut cacher la souris, je peux la mettre. Tiens, sur du blanc sur blanc, c'est très bien. Voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi. Alors, comme d'hab, le petit like pour booster le référencement. Si vous êtes là jusqu'au bout, de toute façon, c'est le meilleur boost de référencement que vous puissiez faire, pardon. Toutes les îles, là, toutes les villes, si vous avez des noms de villes fictifs, mais réalistes, en particulier ce que je viens de dire, voilà, non, fictifs, mais qui ressemblent à quelque chose de qui pourrait exister, allez-y, dans l'idéal, j'aimerais un truc qui sonne français. Un peu... comme je vous dis, après, c'est toujours le délire Transport Fever, mais qu'est-ce que c'est cool d'avoir des vrais noms de villes dans Transport Fever, et même de villages. Dans Transport Fever, je sais qu'il y a, une ville qui pop souvent en plus, qui est juste à côté de chez moi, et il doit y avoir 8000 habitants dans cette ville. C'est ouf que des mecs, des Allemands en plus, c'est même pas des Français... Et implémenter le truc, et voilà, c'est con, mais ça, voilà, ça fait plaisir, ça titille la petite fibre chauvine qu'on a chacun en nous. Et voilà, donc si vous avez des noms de villes à proposer, allez-y, cet épisode est fait pour ça. Je vais peut-être tourner certains épisodes en avance, donc c'est possible que je mette du temps, genre 3-4 épisodes grand maxi, à les mettre en place dans la partie, mais sachez que voilà, je lis toujours tous les commentaires. Et puis tout ce qui peut être ajouté ou gameplay dans une partie via les commentaires, je le prends. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la suite. Je sais pas quand je le posterai, là je suis un peu en avance. Et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.